Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce cinquième épisode du Let's Play de Wolfenstein The Old Blood. Et on est parti pour avancer dans le jeu, à savoir ce qu'on avait dit au dernier épisode, à savoir nager ici. Bonne idée ou pas, on va le voir tout de suite. Puisque le fil est cassé, vous voyez bien, je vous l'avais déjà dit en fait au dernier épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Est-ce qu'on peut nager plus vite? Non, on peut juste appuyer sur Shift. Et on a des loots au fond, je vois ça. Visiblement, ce n'est pas par là. Bon. Je dis bien visiblement parce que du coup, peut-être qu'à droite, peut-être qu'on peut passer à pied. Non, j'ai pas l'impression. Il n'y a que des loots en fait. Voilà, donc aussi par là. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui! Ah oui! Là, il y a quelque chose. Alors, on va aller voir évidemment. Je ne sais pas si c'est le bon endroit ou pas. Peut-être que ça permet juste de grimper plus haut. Je sais pas. Alors, on le casse toujours. Et on avance. Carte mise à jour, d'accord. Alors attendez, tant que j'y suis, et même pour vous, hein, c'est dommage qu'ils ne remettent pas les commandes. Alors j'aurais dû le savoir, je pense. La carte, action. C'est simple, hein, vous avez vu, c'est très simple. Il n'y a pas 36 000 boutons, 36 onglets. Tiago, journal, non, c'est pas ça. Moi je veux carte. La carte, elle est où la carte? Afficher la carte, virgule. Ah, j'étais dessus en plus. Voilà. Ok, c'est une belle araignée. On sait par où aller au moins. Et là, effectivement, ça n'a pas été visité. Il y a peut-être un intérêt, j'espère. Il y a une porte dérobée. Peut-être que la porte, c'est peut-être ça qui s'est ouvert avec le passage qu'on a pris. Parce que sinon, on aurait pu y aller déjà il y a deux épisodes. Donc, je suppose. On va regarder ça. Là, ça charge déjà, je vois ça. Si ça charge, il doit y avoir autre chose de nouveau. Oh là. Là, déjà, il y a un bourrin. Voilà, j'ai perdu un peu de vie, mais il fallait que je commence par ça. Une nouvelle arme. What? Encore une nouvelle arme? Alors, j'arrive plus à tourner avec la souris. Alors là, il y a un bourrin encore, vous avez vu? Donc là, celui qui tire fort en plus, hein. Alors, essayons là. D'accord. D'accord. Balle. Plus de balles. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Celle-là. Pourquoi j'ai plus de cartouches là? C'est quoi ce bordel là? Il va falloir que j'en chope là. Alors, bon, déjà je suis au calme. J'ai plus beaucoup de vie du tout. Je pense que c'est juste balèze. Ah bah voilà là. J'ai plus de vie. Si en fait. J'ai chopé une carte, un bout de carte aussi. Peut-être m'est utile. Même si visiblement vous avez vu le chemin est très bien indiqué, c'est plutôt simple. Hein. Et ça je pense que c'est la porte où on était tout à l'heure bloqué. Enfin tout à l'heure. Au dernier épisode pour vous. Ah, donc ça servait à rien. Ce que j'avais dit, il faut se balader pour choper la vie au passage. Parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Et là, j'ai pas encore respecté parce que je suis à fond dans le. Dans le. Oula. Oula, carrément. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Je pense qu'on a on a toutes les armes du jeu. Hein. Faut pas rêver, parce que là, le. Sinon vous avez vu là, on... enfin, il en reste deux peut-être. On peut pas faire le tour. Et au mieux il en reste deux. Ça c'est bien. Ok bon, ça c'est clean. On a quelque chose ici, évidemment un petit peu de santé, enfin d'armure. Et on avance. Et cette musique stressante. Alors, j'ai plus d'armes dans un des chargeurs. Alors là, par contre si j'ai plus d'armes ça le fait pas. Y'a pas beaucoup de cartouches de ce truc là. Bah oui. On va recharger un petit coup. Donc là on est au-dessus, ils réapparaissent à l'infini ces enfoirés. On a un gros chargeur, alors par contre. Voilà. Je les ai mis aussi que je peux le piquer, j'appuie sur la mauvaise touche, j'appuie sur recharge, à la place d'appuyer sur E. Ça c'est un défaut ça. J'ai entendu un gars faire je suppose qu'il y a un gars pas loin. Là on a un levier. Alors attendez, c'est quoi? S'ouvre ailleurs. Bon je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Vous devrez pouvoir accéder. Si, c'est ça. Le donjon. Il y a quelque chose, hein. Bon, bref, on s'en fout. Alors, on commence par le haut qui amène au vide. Hein. Enfin, au vide. Porte en bois. Ok, peut-être la porte de tout à l'heure aussi. Je ne sais pas, je suis perdu. Des cartouches, ça, c'est toujours utile. Ça se ressemble beaucoup, les décors, hein. Peut-être que ça vient du château lui-même. Parce qu'on ne sait plus, du coup, où on est.
Défaut, pas défaut, je ne sais pas. On est revenu au rez-de-chaussée en tout cas. Ah oui. Alors là par contre ça ne fait pas. Là va falloir la jouer un peu finot. J'ai des grenades, mais sauf que je ne sais même pas les utiliser. Oula, grenade. Alors, parce que le lancer de couteau, j'ai vu. C'était couteau. Voilà, ça. Sauf que les grenades, comment on fait pour les utiliser? Bon, on oublie les grenades. On y va à l'ancienne. Là, il y a beaucoup d'ennemis très bourrins. Ils ont des grosses armes, ceux-là. Hein. Je tire dans la tête, pourtant. Ils sont... Voilà, une grenade les a tués. Ça m'arrange. Peut-être qu'une... J'aurais dû utiliser mes grenades, justement, contre ça. On recharge le tout. Ouais, donc, il se tue bien, en fait. Hein. C'est pas une armure. Alors, j'appuie sur la mauvaise touche, encore. Ouais, ça mouchte bien aussi, ça. Il y avait un gars qui est caché là. Hein. La vache, ils sont vraiment nombreux. On va recharger ça. Alors, c'est que 3 balles, on va pas aller loin. Il va falloir trouver une autre méthode. Parce que là, c'est quand même casse-gueule. Et ça, ces armes-là, je les aime bien. Le problème, c'est que j'ai plus de balles déjà, quoi. Alors, attendez. Ça, j'en ai 55. 6, 55. 12, bah ouais, j'ai pas allé loin avec ça. Bon, on va aller finir quand même. Alors, il y a de la vie là. Je suis déjà à fond. Plus de balles dessus, hein. Voilà. On va les tuer comme ça. Plus de 3 balles. Voilà. Il y a des cartouches par terre là, je vois. Là. Il va falloir que je sorte pour choper les cartouches. C'est parti. Et je me gourde de touches. Ok, 9 balles et 25. Là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, on recharge. Alors. Là, ça devient tendu au niveau cartouche. Une grenade. Et là... Je l'ai raté celui-là. Concentration, je dis pas grand chose parce que là c'est tendu. Voilà, ça j'en ai beaucoup d'armes donc on va les utiliser un peu. J'ai l'impression que c'est vidé. Pourtant la musique ne s'arrête pas donc là il y a forcément quelque chose. On va garder cette arme là. On va piquer tout ce qu'il y a au sol en courant, c'est jamais. Peut-être que la musique reste un petit peu encore après parce que là je crois que j'ai tué tout le monde. Hein. C'est quoi ça? Un bug! C'est un bug! Voilà, deuxième bug, hein, on l'a vu déjà le bug de la musique dans l'épisode 2. Donc les grenades, bah ça ouais je peux pas les utiliser. Je prends tout du coup parce que là niveau armure je suis pas génial. Bon ça c'était une zone que j'aurais pas dû en fait vider dès le départ. Faut vraiment avancer dans le jeu en fait plutôt que de... Ah, il y avait quelque chose encore là. Plutôt je disais que de farmer à mort les pièces et de passer du temps alors qu'en fait on en a besoin après. Et moi j'ai pris plein de vie tout à l'heure qui était au-dessus de 100% en surcharge et plus lent. Voilà, surcharge déjà, on le voit bien. Donc là c'est usé pour rien. Là on ne peut pas aller, on peut faire le tour. Il m'a fait peur celui-là là. Niveau cartouche, je suis pas bien, je suis pas bien du tout en fait. On peut pas stocker 36 000 cartouches. Bref, du coup on va ici. On a fait le tour. Oh là. Peut-être le chapitre 3 peut-être. Alors ça bug à moitié, voilà, chargement, c'est bon. Le donjon de Wolfenstein. Donc là, il y a des cartouches. Je commence pas terrible. Hein. Alors, niveau vie, j'aurais pas dû prendre tout ça, évidemment. Là, il y a un boss, là. Je sais pas si je suis bien équipé pour lui. Ouais, niveau vie, je baisse. C'est un boss, hein. Ça, c'est un boss très très méchant. Ouais, je perds beaucoup de vie, hein.
J'aurais pas dû prendre la vie au départ. Je suis très très mal en fait, hein. Voilà. Ok, donc je pense qu'on va farmer un petit peu pour choper ce boss-là. On va farmer. On va se galérer, on va retry. Je vais pas être très bavard, je pense, parce que là, il n'y a pas grand-chose à voir. Et pour le coup, on commence ici. Donc là, trouver Wessler, je rappelle. Hein. Wesley, pardon, pas Wessler. Et donc, du coup, je ne prends pas la vie. Je la garde, ma vie. Et on va essayer de trouver d'autres armes, si on peut se balader. Est-ce qu'il a un point faible, quelque part? Ouais. J'attends que ma vie remonte un peu. Je sais pas le point, il faut le taper, en fait. Donc là, c'est cheaté, il me voit même plus, il a plus de cartouches, je sais pas. Ouais, plus de balles. Faut taper dans le haut, en fait, là, non? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un peu cheaté, j'avoue. Voilà. Donc là, j'ai eu de la chance une fois, j'aurais pas deux. Hein. Alors, il y a des grenades. Malheureusement, je sais pas comment les utiliser, donc comme ça, c'est fait. Ouais, donc j'ai plus d'armes de comme ça. J'ai encore le gun éventuellement. Voilà. C'est cheaté, mais c'est pas grave. On va y aller au flingue. Est-ce qu'on l'a en deux fois ou en trois fois? Visiblement en deux fois. Bon bah voilà, donc ça c'est facile. Je récupère tout, évidemment. Là, j'ai récupéré son arme de taré. Et j'ai même de la vie, j'ai tout. Alors, ça, c'est le bonheur. Oula, par contre, là... Ok, on va garder cette arme-là un petit moment. Hein. Le temps de se refaire un peu en cartouche. En armure et tout ça. Bon, c'était un petit peu le... Alors, après un boss, c'est un peu gonflé de faire ça. Hein, parce que là, ça m'aide pas beaucoup. Hein. On va aller voir rapidement les pièces. Alors, attendez. Je ne peux pas changer d'arme parce que si je change... Voilà, je m'en doutais. On va leur piquer. Hein. Donc là, on peut aller derrière. Il y a une armure au bout, ok. Alors, si j'avais su, j'aurais été là, en fait, depuis le début. Hein. Voilà, 80. Je suis un peu lent, je suis désolé, mais je garde l'arme à la main parce que j'ai pas envie de la perdre et j'ai pas envie d'utiliser mes cartouches que je n'ai plus, je rappelle. Donc là, on va se stuffer limite max. Voilà. On pique tout. On a quelque chose ici. Alors, ouais, bah je vais le faire. Hein. On va pas y passer 10 ans sinon. Ok, alors là, par contre, s'il y a des ennemis qui. Oh, on peut afficher pas maintenant. Ok. Ma vie remonte. J'ai perdu un peu de. D'armure encore. Est-ce qu'on a quelque chose ici qui est coincé? Là, on a du monde. Alors, ce qui est bien, c'est que l'alarme, ils ont été sympas. Ils l'enlèvent quand tout le monde est mort. C'était pas obligé de faire ça. Vous voyez pourquoi il me sert cette arme là? Voilà, comme ça je vais pouvoir me refaire niveau cartouche. Je suis en surcharge niveau vie. Là je n'ai plus d'armes, ça y est. Voilà. Comme quoi j'aurais pas dû tout prendre en fait. La musique se met en place. Donc là, plus de cartouches, plus rien. On va utiliser les mitraillettes. Il reste encore un ou plusieurs gars puisque l'alarme est encore là. Donc donc je suppose que la porte là qui s'est ouverte. On fouille un peu, hein, je suis obligé. Voilà, un petit peu d'armure. Il y avait quelque chose là. Voilà. J'adore tirer dans le tas comme ça. On va recharger. Parce
qu'il y a des balles à gogo par terre. On peut l'utiliser celle-là, hein. Moi j'y vais avec les deux armes à la fois, voilà. Je ramasse les cartouches qui partent assez vite. Alors, où ils sont maintenant? Ils sont pas de ce côté-là. On va changer d'arme. Je vise très très mal, visiblement. Là, je l'ai. Ah, c'est que le changement d'arme, je mets trop de temps. La roulette, là, c'est pas un bon truc, hein. Alors, je sais qu'il y a des touches pour aller directement, en fait, sur l'arme. On l'a vu tout à l'heure. Dans les commandes. Voilà, ça va être utile. Heureusement qu'il y a vraiment beaucoup de loot, hein, cette fois. C'est de plus en plus dur, quand même. J'avoue que... de plus en plus de mal. Donc là, ça servait à rien, ça. Évidemment, c'est gaspillé. Là, il y a du monde en face qui arrive. Alors, on a une mitrailleuse. On va pas prendre la vie. Sur la connerie. Ils sont où? Non, non, non. Grenade, 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 grenade. Oh, je suis devant lui, merde. Il regarde même pas où il faut, comme quoi il y a des bugs encore de... Calme toi. Alors attendez. Là je prends très cher. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Et ça évite de griller toutes mes cartouches, surtout contre les gros là. Ils sont balèzes. Il y en a d'autres là. Là-bas, ça pète. Je tiens un peu partout parce qu'on ne voit rien, je vous avoue. Et ça fait beaucoup de bruit. Pour beaucoup, beaucoup d'ennemis. Ok, elle fume même. Bon effet. Alors, on en était où? C'est vrai, à piquer toutes les cartouches et les armures. Parce que là, je suis down complètement. Heureusement que cette mitraillette était là, parce que sinon, c'est injouable. Je suis déjà à fond niveau rechargement. Niveau cartouche de ce gun-là, je n'en avais plus. À savoir le gros gun, l'espèce de shotgun, là. Voilà, 95, ça c'est bien. Il y a des trucs partout, là. Des trucs ouverts, donc on va y aller après, hein. Je fouille avant, parce que là, j'ai besoin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De l'armure encore, voilà. Je suis arrivé à 100% d'armure, c'est nickel, je suis full. Voilà, je pique toutes les armes aussi. Nickel, on va pouvoir avancer directement en fait. Hein. Alors les grenades, les machins, ça je les utilise pas. Limite atteinte, voilà. Pourquoi il y en a deux? Peut-être que c'est parce que ça mène au même endroit et c'est du bonus. On va voir ça à l'intérieur. Le jeu est pas trop tordu, hein, assez énigmatique pour revenir. Et voilà, on a dit, voilà, c'est la même zone. Hall du donjon. Ok. Vous savez ce que je disais, c'est au même endroit. Alors c'est parti, on grimpe. Raté. Voilà. J'ai toujours un peu de mal à monter avec cette souris là. Alors, à la manette, faudrait essayer. Là, par contre, j'ai quelque chose, c'est que je peux être discret. C'est mieux que je sais pas dans le détail, moi. Vous savez bien ça. Donc, autant les tuer au moins au début. Alors là, par contre, lui là, c'est mort. Tu l'as pas vu. Je crois qu'ils m'ont vu là. Ok, alors. On va commencer par ce gun là. Oula, grenade, non, non, non. La vache. Les grenades ne baissent pas tellement, et heureusement. Je pense qu'en hard c'est pas le cas. Non, arrêtez, c'est bon les mecs là. Vous allez me tuer. Voilà. Qui va mieux? Il y a tellement pas de cartouches là pour ces armes là de shotgun. Je tire dans les pieds parce qu'on ne le voit pas à cause des poutres. Alors est-ce que les poutres ont un intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc autant descendre. Voilà. Ouais, toi tu mourras pas, hein. Ouais, je sais pas ce que tu fais tout seul là. Tu te vautres tout seul. Donc là, comme d'habitude, on va pas prendre la vie, hein. Pas de surcharge. Faut gérer cette vie là.
Je sais pas ce qu'ils ont mes armes à tirer par rafale comme ça. Voilà, amélioration, ok partout, ça c'est bien. Je me balade une fois de plus, l'idée étant de justement voir s'il y a des loot et de pas rester au même endroit. J'aime pas ces armes là en fait, attendez. Bah c'est celle là que j'ai en fait, je comprends pas pourquoi ils tirent par rafale comme ça. J'ai pas demandé moi par rafale. Ouais c'est parce que j'en ai peut-être plus beaucoup. Ah faut les juste recharger peut-être. Voilà d'accord, ok, là ça a marché. On pique tout, oh là là, on tire dessus, on tire dessus. Les ennemis sont plus précis qu'au départ hein. Si vous vous souvenez au premier niveau, pour ceux qui ont vu. Voilà. Plus de musique a priori, plus d'ennemis. Je peux reprendre ma vie. On fouille un peu partout cette fois hein, parce que là, une fois de plus, ça a bien descendu encore. Voilà. On pique tout ça aussi. Il y a plein de choses partout. Là, il y a une porte qui ne s'ouvre pas. Attends, je vais vérifier quand même parce que... Voilà, c'est bien fermé. Ok, ça avance. Et ça avance plutôt bien. Je ne meurs pas trop. C'est plutôt plaisant. Il n'y a pas de rage parce que je mets 10 ans à trouver ce que je veux. Voilà, les petits casques. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pas assez temps de plus. Hein, sinon, on va prendre 10 ans. Maintenant, où il faut aller? Parce que... il y a quelque chose que je n'avais pas. Autant le prendre. On a une porte ici. Voilà, la santé, je ne la prends pas, hein, juste ces cartouches. Une fois de plus, on ne sait jamais que j'y revienne plus tard. On a quelque chose là-haut. Quelque chose là-haut. Là, on n'a rien. Voilà, on le voit bien. En plus, ce point bleu, c'est à travers le mur. Donc on ne peut pas le rater. Par contre, comment grimper? Alors, on va suivre le chemin. Il faut arriver par là, par là, par là. Ou alors grimper ici, tout simplement. Oh là là. Ah ça, c'est pas trop dur. Allez, ouvre-toi. Et on est parti, accroupi. C'est parti, c'est parti. Chargement. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone, je pense. Y'a quelqu'un là. Y'a quelqu'un, pas loin. En tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un escalier, on va peut-être voir après. Même s'il est haut en premier, donc je pense que c'est plutôt par là qu'il va falloir aller. Effectivement, on va commencer par aller là. En courant, bah voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, donc ce point-là est... Là j'entends quelqu'un courir. Ça va encore saigner, moi je vous dis. Il y a des chiens. Coucher le chien. En charge. On entend des Allemands au loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, il y a plein de choses. Un crâne? Ouais, super. Et être alors? Être ou ne pas être. Oups. Comment ça, oups? Ok, d'accord. Ils ont voulu vraiment rajouter un petit peu plus de... De n'importe quoi. Être ou ne pas être. De Descartes, hein, si je ne m'abuse. Ah non, un bouquin, c'est pas un passage secret. Pourquoi donner autant de détails? Pourquoi leur mettre dans le bon sens? Ah bah oui! Voilà pourquoi leur mettre dans le bon sens. Alors, zone secrète, on va y aller, hein. Évidemment, bien stuffé. C'est quoi ça? Note d'un roi, ok. Alors, je vous le déplace un peu, vous le lirez, hein, si vous avez besoin. Voilà. Parce que sinon, on n'a pas fini. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est que je sais que vous-même, vous m'avez dit « Attention, t'es un peu trop lent, tu regardes un peu trop partout, donc du coup, j'avance, pour pas non plus vous déranger. » Une lettre, la d'Ingrid, ok, on va jeter un œil quand même, histoire de... Dans les... Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça non plus, je ne sais même pas où sont les lettres. Si, lettres, ici. Ici, lettres, on peut même pas les lire. Chapitre 1, 2, 3, bon, bah très bien. Très bien, très bien. Donc du coup, bah voilà, les grenades, je les ai pas encore utilisées. De toute façon, j'ai l'impression que ça n'avait pas beaucoup de dégâts. En tout cas, sur moi, c'est pas énorme. Là, on peut pas aller. Donc, à mon avis, c'est pareil pour eux. Hein. Et je vais me galérer parce que les gros balèzes, là... Eux, c'est pas des balèzes. Mais je parle des gros balèzes, ceux qui sont orange, là. Voilà. Et là, je peux le piquer. Faut juste recharger. La vie, je l'ai pris inutilement encore. Et je sens que ça va me porter préjudice. Pareil pour l'armure, elle redescend, donc là,
C'est 100% à mon avis, hein. Même si je l'ai amélioré. Alors ça veut dire quoi? Amélioré. Du coup, on peut pas aller là. Attendez. Il y a pas ça secret forcément. C'est là peut-être. Ha. Voilà, je ramasse mes coutales par contre, hein. Merci. Les couteaux qui doivent être super discrets, faudrait que je les utilise un petit peu plutôt que de faire le bourrin. Comme ça. Ça charge. Signal détecté. Donc là, il y a des ennemis pas loin. Et là, on arrive dans la pièce. Ouf. Probablement la pièce principale. Von Schaab, j'ai jamais entendu ce nom. Ok, il devait être très loin parce que je les entends même pas en allemand. Et vous non plus, forcément. Donc on est obligé d'y aller. Vous savez quoi? Ça marche. Alors ça tue, ça one shot, hein. Par contre, bordel, qu'est-ce que ça tire mal? Je ramasse mes couteaux en tout cas. D'ailleurs, je peux peut-être même pas les ramasser. Ça c'est fait. C'était pour le style, vous l'aurez vu au moins une fois. Ou deux. Oh là 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 là. Ok, d'accord, c'est naze. Voilà, on est reparti pour l'alarme, pour la fight. Je suis chaud, venez. Alors, on va ramasser un petit peu tout. Alors, peut-être pas ça. Même si du coup la surcharge m'est utile pendant un certain temps. Oh la vache, il y a du bordel en haut. On va recharger. Oh là. Il y a du monde là-bas. Toujours recharger en fait dès que je peux. Pour éviter justement de me retrouver à court de munitions. Voilà, ça c'est fait. On recharge encore, hein, une fois de plus. On ne sait jamais. De l'armure aussi, parce que mon armure baisse, hein, très rapidement du coup. Là, c'est... Oh là, il y a un bourrin là. Oh là là, ça tire partout là, ça tire partout. Je les vois pas, je les vois pas. Je les vois pas du tout. Du coup, on va changer un peu de chemin. On va aller par là. Voilà, on va prendre un peu de hauteur parce que je sens mal. Il me tire de dessus. Hein. Ça, c'est clair. Faut que je le tue, et surtout lui. Voilà. J'ai plus que 50% de vie. Ça a remonté peut-être à 60. Même si j'en ai trouvé là. Yes. 83. Je me barre parce que là, c'est la boucherie. On va aller les voir directement en face, si on peut. Si on peut. Il y a une armure là. Utile, très utile. Des armes, ok. Voilà, on prend tout ce qu'on peut. Ils sont où? Génial, parce qu'en plus le décor se casse. Bon, ça c'est connu, hein, mais dans l'idée, j'aime bien. Voilà. Ça, on va pas l'exploser maintenant. Oh là, ils sont. Toi, mon coco, tu vas te calmer. Toi aussi. Non, j'ai plus de cartouches encore là. Je sens mal. Plus beaucoup de cartouches. Je prends tout, je recharge. C'est reparti. Donc là c'est d'où on vient, ok. Il doit plus en rester beaucoup parce que j'en ai tué masse quand même. Je me gourre à chaque fois avec le bouton de recharger et pour tirer. C'est malheureux. Ce qui fait que je rate des choses. Alors toi par contre, tu vas te calmer. Voilà. On avance. Pardon, je suis désolé. Je voulais vous la faire. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ennemis. La musique est encore là. Voilà, j'ai à peine dit ça que il y avait encore du monde. Voilà, et ça s'arrête, donc j'ai bien terminé. Par contre, niveau vie, je suis pas très très bien là. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va avancer quand même. Et voilà, et d'ailleurs, je pense qu'avant de rentrer, on va se laisser. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!